Ils étaient caissiers, chauffeurs de poids lourds ou encore saisonniers, mais tous sans travail depuis plusieurs mois. Inscrits au Pôle emploi, ils ont décidé de reprendre une activité professionnelle et suivre une formation pour devenir ouvriers viticoles. Une première promotion donc avec 10 apprentis vignerons, prêts à alterner entre théorie à l'école et pratique dans les vignes. Donc voilà, nous nous trouvons devant un cep de Cabernet Franc, donc le cépage de Chinon. Les pieds dans le sens sont brisés. Voilà. Et donc tu peux plier ta baguette. J'ai été reçu comme stagiaire et voilà, j'apprends les métiers de la vigne. Mais il faut quand même un minimum de réflexion, quoi. Je suis là pour apprendre, hein. Je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. On travaille quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige, quand... voilà. Donc des conditions physiques, il faut être en forme, quoi. S'intéresser, être motivé, être en forme. Je dirais peut-être les principales qualités qu'on attend d'un ouvrier viticole, oui. Il faut décrire un peu nos impressions, ce qu'on a vu. Donc on écrit, il faut chercher, il faut rentrer dedans, quoi. C'est un flashback. Après 10 minutes de marche, je me trouve en plein cœur des vignes du Chinonais. Je peux observer un paysage vallonné jonché de vignes nues. C'est normal, nous sommes en hiver. Le ciel est gris et les vignes ont perdu leurs feuilles.